tout est plus dur en montagne. Aussi belle que dangereuse, la montagne est un milieu des plus exigeants, dans lequel la moindre erreur peut s'avérer fatale. Elle est notre terrain d'entraînement, en été comme en hiver. Au combat, l'ennemi est double, particulièrement en hiver. Les conditions de froid et de neige sont parfois plus dangereuses que les balles des fusils. Savoir se déplacer sur les pentes escarpées recouvertes de neige, stationner dans l'air glacial d'une tempête, survivre dans cet environnement inhospitalier deviennent tout sauf évident et requièrent des savoir-faire spécifiques, un entraînement de tous les instants, car on ne s'improvise pas chasseur alpin. Les bons montagnards font les bons soldats. Pour cela, notre pratique de la montagne demande un haut niveau de professionnalisme. Nous cultivons l'esprit de cordée aussi bien que nos actes réflexes de combattant. Car au combat en montagne, les qualités de nos tireurs nous feront gagner tout autant que la capacité de nos chasseurs à veiller les uns sur les autres. Si nos entraînements en montagne peuvent parfois sembler plaisants, la finalité est toujours de nous rendre meilleurs au combat. Physiquement, techniquement, au commandement, la pratique de la montagne nous pousse à nous surpasser et resserre les liens entre les chasseurs. L'esprit de cordée qui anime nos groupes, nos sections, nos compagnies, fait partie de nos forces. Cette force, nous l'entretenons en gravissant les plus hauts sommets des Alpes. Car du première classe au colonel, les bons montagnards font les bons soldats.